Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette vidéo sur AFK Arena. Aujourd'hui, pour suivre ma progression, comme vous pouvez le voir, j'ai pris quelques niveaux depuis la dernière fois et je suis plutôt bien avancé dans l'aventure principale. Je suis en ce moment au chapitre 9.32, même si mon équipe est un petit peu en train de battre de l'aile. Je vous explique parce que là, je sens que ma composition est en train d'atteindre ses limites. Vous pouvez la voir d'ailleurs en autobattleur en dessous. Et je pense qu'il va falloir que je la change incessamment sous peu, donc n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires au vu de ma box, puisque je rappelle que le jeu est entièrement gratuit. D'ailleurs, petit message partenaire, puisque je vous fais cette vidéo avec mon partenaire BlueStacks, et si vous souhaitez soutenir ma chaîne YouTube, eh bien dans la description, vous avez un lien, et chaque téléchargement que vous ferez de BlueStacks et installation du jeu AFK Arena, eh bien supportera la chaîne en me permettant de garder mon partenaire pour le soutien financier. Donc merci à toutes les personnes qui installeront le jeu et l'émulateur. Et puis voilà, maintenant on passe au vif du sujet. Puisque j'ai plutôt pas mal progressé sur la forêt noire, j'ai fait les pics du temps, je me suis rattrapé. J'avoue que j'étais un petit peu en retard là-dessus et que maintenant ça pose plus trop de soucis de pouvoir enchaîner les différents combats. D'ailleurs, au niveau de ma composition, on va en parler puisque... Voilà, là, on va enlever toute ma team sauvageonne, puisqu'elle n'est plus stuff. Logiquement, je fais comme suit. Ah non, c'est vrai qu'elle était morte. Elle était morte pour que je puisse terminer. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement finir l'aventure. Comme ça, ça sera plus simple. Donc, la nouvelle aventure, je la ferai un petit peu plus tard. Ça permet de récupérer des reliques pour équiper vos personnages. Des reliques bien plus puissantes, qui donnent des avantages pas négligeables. Regardez celle-là que je viens de récupérer, l'œil de Dura, l'artefact, critique 5, augmente la vitesse d'attaque de 15% pendant 3 secondes si un coup critique est réussi, donc c'est plutôt fort. Donc je l'ai mis sur bien évidemment Saivea, ce qui est peut-être le meilleur perso de tout le jeu jusqu'au niveau 160, hein, clairement. Je suis entièrement free-to-play sur le jeu, je n'ai jamais mis un seul euro, donc pour ceux qui se demandent, voilà, ça n'empêche pas de progresser convenablement sur le jeu, même si au bout d'un moment c'est un petit peu plus lent forcément. Mais en tout cas voilà, on n'est jamais limité. Comme vous pouvez le voir, j'ai 5 persos principaux que j'ai un petit peu monté en termes de rareté. On a Shemira, bien évidemment, puisque ce personnage est vraiment très 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 trop fort peut-être. Et j'ai 2 stuffs légendaires maintenant sur elle. Et puis elle est capable de régénérer sa vie, donc très très bon mage. J'ai bien évidemment Saiveas, très costaud pour les unités de base. C'est l'unité de base avec le petit vieux là que vous pouvez garder tellement longtemps. J'ai le roi déchu parce que j'ai eu des exemplaires, donc je l'ai monté. J'ai Lucius que je trouve vraiment toujours trop fort en fait. Son bouclier qui régénère les points de vie, j'arrive pas à m'en passer en fait. Et j'ai monté Belinda. Et voilà, parce que c'est les plus rares. Après, je compte m'en passer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous montez de niveau, vous voyez par exemple ici je vais monter Belinda niveau 122. Hop, je la passe 123, on va même le passer 124. En gros, vous avez un système qui s'appelle le cristal résonant. Ici, vous pouvez mettre n'importe quel héros que vous choisissez, et il obtiendra directement le niveau max et les compétences max pour son niveau de débloquer. Alors, je ne vais pas le faire, mais là, j'en ai déjà plein. Donc, vous voyez que ce niveau correspond au niveau le plus bas de votre top 5, entre guillemets. Donc Lucius est en niveau 123, si je le passe 124, et eh bien tous les persos ci-dessous passeront également 124. Et ça vous permet, en free-to-play, d'avoir une énorme variété de choix pour passer certaines difficultés du jeu. Donc on a la bibliothèque, apparemment j'ai un héros à mettre là, confirmé, non je ne peux pas, ok, on va mettre la mienne, tac. Des petits points bonus, ok, parfait. Au niveau, alors je sais pas si je fais le bon choix, mais au niveau de la taverne, pour la liste de souhaits, actuellement, j'ai plutôt demandé, donc, je sais plus les noms, vous m'excusez, le nouveau perso qui est sorti, que je trouve assez stylé, il réduit les dégâts subis en étant un support, le petit Lucius en héros barbare, j'ai demandé le Brutus qui m'intéresse le plus, mais ceux-là m'ont l'air également intéressant. Au niveau des héros de la forêt, j'ai demandé tous ces persos. Après, je sais pas, les autres me tentent pas trop, j'ai le tank, mais je trouve pas ouf ouf, celui-là il me botte pas plus que ça. Donc, au niveau du tank, j'ai un petit peu du mal, même si je pense qu'au bout d'un moment, l'assassin avec son esquive me fera tanker la team. Et au niveau des héros morts-vivants, bien sûr, je prends Shemira, je prends l'archer, Ferael, pardon. Et j'hésite entre lui et lui.
Ça m'embête un petit peu, mais... Ah. J'avoue que lui, c'est un assassin vraiment stylé, et lui, il est plutôt cool quand même avec son ghost qui revient une fois qu'il est mort, qui continue de combattre jusqu'à la fin du combat sous forme de fantôme. C'est plutôt cool. Donc ça, c'est à peu près les requêtes que j'ai faites. Il nous manque que quelques petits cristaux. C'est dommage, on aurait pu faire un pool 10, ça aurait été plutôt cool, à moins que j'ai de quoi ouvrir. Attendez, hop. Je vais récupérer ces récompenses. Là, on a un... Ah, 10. Ah, il nous en manque 11. Ok, c'est la blague. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive. Hall de Guild, je crois que j'ai déjà fait machin son équipe du jour. On n'a pas le nouveau boss. Ok, très bien. Maintenant... Je peux peut-être... Ah, il y a le voyage de merveille aussi que j'ai pas trop testé encore. Il y a un event en cours qui se termine dans 11 jours. Faudrait voir si je peux le passer convenablement. Et je vais également vous partager, je pense, les unités, ou plutôt le combo d'unités que j'aimerais faire, si possible. Donc voilà ma team, comment elles sont composées. Je mets Chimera en premier, suivi de Lucius, Brutus. Avant, je mettais Brutus en premier. Mais maintenant, je mets plutôt Chimera en tank vu son nombre de points de vie. Et on finit par celui-là. Donc, j'ai un triple bonus faction, attaque 10%, PV 10%. Mais c'est encore un peu léger. Je pense que je peux atteindre un nouveau cap rien qu'en optimisant bien mieux ce système de formation. Au moins, réussir à faire un 3 plus 2. Donc, ça me ferait attaque plus 15%, PV plus 15%. Pour tout le monde, du coup, ça serait vraiment violent en termes de boost. Mais je peux pas me passer de Lucius. J'ai du mal à me passer de Chimera. Et je trouve que Saivias, actuellement, c'est mon meilleur DPS. Donc, voilà un petit peu le problème. C'est que j'ai un triple faction dérangeant. Alors, double mort-vivant, je pourrais. En fait, je pourrais faire ça. Mais je n'ai plus la régène. Point de vie de Lucius. Actuellement, c'est problématique. Donc. Voilà, on va essayer de passer ce premier combat comme ça. Alors du coup, ouais, ça devrait passer assez facilement, le blocage. Parce que Brutus, il a quand même ce truc intéressant de ne pas mourir la première fois et de du coup d'être immunisé. Ouais, ils font extrêmement mal ici. Ok, donc je suis déjà mort. Allez, Saivias, tu me carries tout ça. Ok, ça c'est plutôt bon. On va baisser un tout petit peu. Ah, Saivias qui carry de fou. Voilà, qui vient de tuer tout le monde. Vous pouvez le voir tout simplement au chiffre. Hein. Voilà, 250K de dégâts infligés. Chimera est censé faire beaucoup plus de dégâts, au moins du 180 ou 200 000 là, mais comme je la joue en tank, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué. Donc rien que pour ça tank pas assez, on va faire les choses différemment. On permet à Rose, plus les PV de l'ennemi sont élevés, plus il subit de dégâts, augmentation de dégâts jusqu'à 25%. Augmente l'esquive de tous les alliés de 8 points pour chaque héros sauvageon présent sur le champ de bataille. Alors ça, je vais le prendre. Parce que ça pourrait me servir pour mon autre team, justement, qui serait plutôt basé sur les héros sauvageons. Puisque j'ai la petite case qui me fait plaisir, que je trouve vraiment très très stylée d'ailleurs, avec de très bonnes compétences. Après, il y a également la petite Nemora, que j'ai d'ailleurs avec quelques doublons. Il y a le tank dont je suis pas trop fan, je trouve que Cyrus il est un petit peu faible. On a également Arden, vraiment très fort, hein, c'est un petit peu. Lui et Saivias, vous pouvez les garder extrêmement longtemps pour des unités de base. Et j'ai chopé il y a peu de temps Tazi, qui m'a l'air plutôt intéressant, je ne sais pas encore. Mais ça ne me fait pas trop de tank en fait. Donc, je ne sais pas quoi en faire. Et ça me pose souci. Bon, maintenant que Chimera est mort, de toute façon, ça va rendre la tâche beaucoup plus compliquée. Pardon. Donc, à partir de là, on n'a pas d'email avec des récompenses. Je sais pas où je pourrais aller gagner des joyaux. Alors, attendez. Tac. 366e. On va défoncer les petits. Ouais, ça va aller assez vite.
Il y a peut-être moyen de récupérer sur des quêtes quotidiennes. On va se faire un petit pool quand même pour cette vidéo, faut pas déconner. Je vais juste regarder quête. Ah bah déjà. Alors j'ai déjà fait ça. Évidemment, il n'y en a pas là. Ah, là, il y en a 400. Il faut 40 points. Qu'est-ce que je peux faire pour 40 points? Invoquer des héros, je peux pas. Ça, je peux pas. Acheter un article ou un héros depuis la boutique du labyrinthe. Ça, je peux. Ça ferait combien de points? Ça ferait 10. Acheter des équipements depuis la boutique de la guilde. Ah, ça, je peux pas. Il me faudrait... Ouh! Attends, ça, c'est de l'armure de cuir. Oh, je pourrais tellement stuffer sa VS avec ça. Incroyable, mais j'ai pas assez de points de guilde. Je pense que j'en aurai assez demain ou après-demain. Au niveau des quêtes, qu'est-ce que je peux accomplir? Obtenir 15 victoires dans l'arène, ça me ferait 20 points. Débuter 5 missions de chasseurs de primes en équipe. Et ça, je suis un peu coincé aussi. Ah ah! Invoquer 20 héros à la terre. Il faudrait que je... Non, je peux pas le faire. Terrasser le boss, acheter un article. J'ai pas assez de thunes pour acheter tout ça. Ça, je peux déjà l'acheter. 3, 6, 12. Non, j'aurais pas assez. Ah! Je pense que je vais pas pouvoir faire le pool. Ah, c'est un peu contraignant. C'est vraiment contraignant. Parce que je peux avoir 20 points. Je peux avoir 30 points. Actuellement. Et ça, c'est problématique. D'avoir que 30 points. Ou alors, faut que je sacrifie. Non, non, ça, je veux pas sacrifier des points pour rien. Bon, ben, tant pis. Ah, quoique, attendez. Ah non, justement, j'avais pas de joyaux aujourd'hui. Ah non, les boules. D'habitude, il y a toujours plein de joyaux dans ces quêtes-là. Et aujourd'hui, j'en avais pas non plus. Bah, décidément. C'est la cata. C'est la cacatastrophe. Aïe, aïe, aïe. En plus, ça donne tellement envie. Je veux un petit pool 10, là. On va essayer une tour du roi, peut-être, si ça passe. Ouais, ça passera pas du mort-vivant, je tombe pas, ça. Elle est en train de revivre. Il y a peut-être moyen si je tue... Ah, attendez. Non, ça lui est assez mort, c'est bon, j'ai plus une DPS. Waouh, la régène est incroyable. Ok. On va faire défi. Ils sont plus faibles face aux sauvageons, mais c'est pareil, ça, je prendrai plus de dégâts des autres. Si je teste comme ça. Mais ça va, il faut que tu découpes du bon critique. Eh, je crois que je tue le tank direct là. Le bouclier a été mis. Il y a moyen. Allez, c'est parti. L'ultime de Savias qui est lancé. S'il tue la Belinda, je devrais pouvoir m'en sortir. Il y aurait moins de tank. Il y a la Isabella qui est derrière. La Isabella qui va mourir. Ok, c'est bon. Ça passe. Espérons des petits joyaux. Va-t-il le faire pour vous, public? Oh, yes. 50 joyaux. C'est beau. C'est le beau jeu. Il manque d'ailleurs plus grand-chose en pierre. Oui, 13 pierres pour pouler un perso. Allez, let's go. Un petit pool pour finir cette vidéo, parce qu'on le vaut bien. Invoquer. Je sais pas vous, mais moi, actuellement, tous les pools où j'ai eu des épiques, en ce moment, ils viennent tous de cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 5 fois de suite que là, il y a un épique. Bon, bah évidemment, vous me portez la poisse. Voilà, c'est complètement de votre faute. Non, non, c'est pas grave, de toute façon, ces personnages-là, ils vont aller dans le top de l'élévation. On va les monter en rareté. Et du coup, rien n'est perdu, puisqu'en fait, ils vont me servir à booster mes autres personnages. Hop. Ouais. C'est pareil, en héros de lumière, lui, je peux le monter. Mais je sais pas si ça vaut la peine.
Bon, allez. Pour le beau jeu, il y a quand même pas mal de statistiques, effectivement. Mais j'ai d'autres persos à lumière que je préférais monter avant, donc on va garder ces deux-là à sacrifier. Histoire d'après pouvoir peut-être potentiellement. Là, il me faut un doublon d'un Lucius. Ça se monte pas trop difficilement. Si j'ai un doublon de Lucius, ça sera facile à faire. Là, il me faut un autre perso mort-vivant jaune. Ouais, là, ça va être un peu plus dur. Un peu plus long maintenant pour passer en mythique. Une Belinda. Ça va de. Passer jusqu'au niveau 160, c'est pas trop compliqué. C'est juste débloquer le mythique derrière. C'est un petit peu plus galère. Ça, je vous l'accorde. Après, idem, je pourrais passer ce perso. Avec ces deux-là. Ça m'embêterait de me sacrifier un petit Ardenne. Donc, je vais attendre d'en avoir un autre, pourquoi pas, pour prendre sa place. Mais ça peut être faisable de booster l'équipe Sauvageonne aussi. Hein. Hop, récupérons tout ça. Yes! Impeccable. J'ai bientôt un héros élite là, plus que 5 pierres, ça fait plaisir. Bon, bah ça progresse plutôt bien. Voilà, je voulais vous tenir un petit peu à jour. Est-ce que vous pensez que je devrais faire une équipe particulière au niveau des personnages? Jusqu'à. Là, c'est mes anciens persos. En gros, jusque-là. Mes 5 top persos. Et ça, c'est les doublons que j'ai. L'équipe Sauvageonne pourrait être intéressante. 1, 2, 3, 4 et le Ardenne 5. Après, j'ai du mal avec la team trouver une triplette. Faudrait un 3 plus 2 intéressant, parce qu'actuellement, en mort-vivant, j'ai pas grand-chose qui m'intéresse, hormis chez Mira. Là, j'ai Xaveas, Brutus, mais Brutus, j'arrive pas à l'évoluer, j'ai pas de doublon. Lucius, plus, à la limite, le tireur support. Ça ferait 3. Mais bon, je devrais sacrifier chez Mira, donc c'est pareil, je peux pas non plus, quoi. Actuellement, Xaveas, après le niveau 160, je laisserai sûrement de côté, mais pour l'instant, il me carry tellement, c'est compliqué. Voilà, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous rappelle qu'il y a le lien de téléchargement en description. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye.